Découvrez une sélection d'objets tendance, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. CadeauMaestro.com. Alors Charline. Oui, alors moi la semaine dernière, on a fait une chronique sur voyager pratique, si vous avez suivi un petit peu l'affaire, et je vous ai fait languir en disant cette semaine, on va faire un voyage organisé. Organisé. Alors voilà, parce que je suis partie de ce petit sticker voilà, que vous pouvez coller chez vous un petit peu partout. Voilà, en vacances, on oublie tout. Mais pour pouvoir tout oublier, encore faut-il partir l'esprit léger. C'est vu, là. Donc moi, je vais vous aider parce qu'il vaut mieux passer un petit peu de temps en amont pour faire une valise bien organisée et pas arriver sur place en étant complètement désemparée. Je t'étais sur les valises. Ça, c'est une catastrophe. Ouais. Donc je vais vous aider et je suis partie de ce petit kit-là. Donc, qui est le kit pour partir en voyage. Donc, ça va faire un petit peu répétition sur certaines choses vues de la semaine dernière. On va retrouver un petit coussin qui va se gonfler, vous savez, pour faire, pour mettre autour de la nuque quand on est dans l'avion, dans le bus ou etc. On va avoir également un porte-étiquette de bagages. J'arrive au mieux parce que j'ai sorti le kit pour quelque chose en particulier. On va avoir également un cadenas pour fermer la valise. Si vous en avez pas, vous savez ce que des fois les cadenas sont intégrés aux valises, des fois non. Donc ça, c'est pratique également. Ça vous évite d'y penser. Et on va avoir le produit qui est hyper utile. C'est l'adaptateur de prise, vous savez, vous partez en Angleterre, si vous partez en Grèce, aux États-Unis. Voilà, donc c'est un adaptateur qui va marcher. Donc, tout simplement, vous avez un bouton sur le dessus, on ouvre, hop, et vous avez la prise qui sort. Waouh. On le retourne, vous avez une seconde prise, hop, anglaise, et vous pouvez également ouvrir la Europe. On ne sait jamais si vous avez, à l'inverse, un produit acheté, par exemple, aux États-Unis, que vous n'avez pas fait attention à la prise, vous pouvez la brancher ensuite en France. Donc ça, c'est hyper pratique à avoir, il ne faut surtout pas l'oublier. On va l'avoir également en d'autres modèles, qui vont être encore plus poussés, qui vont être adaptés pour 140 pays, 140 destinations. Ah ouais, quand même. Et l'avantage de celui-ci également, c'est qu'il fait USB. Donc si vous emmenez également votre iPad ou autre, vous pouvez charger. Donc ça, c'est à avoir pour faire multitâche sur tous les appareils électroniques que vous emmenez. À donc, trouver ça, chez Cadeau Maestro, tout bien à fait. À retrouver chez nous. Ensuite, on va avoir pour prendre dans la valise, parce qu'on a envie d'amener toujours tout son chez-soi quand on part. Eh bien non, nous, on a plein de kits à vous proposer. Donc, on va commencer par un petit kit facile. C'est un petit kit à cirage pour messieurs. Vous pouvez cirer les chaussures de madame, hein, sans mauvaise blague, parce que cirer les pompes ou autre, je ne sais pas. On va avoir donc dedans la petite patoune, la petite brosse et le petit kit à cirage. Et si vous ne savez pas cirer les chaussures, sur le côté, vous avez le mode d'emploi également. Pour savoir combien de temps il faut laisser, si vraiment vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez le prendre. Et ça, c'est pour moins de 10 euros, donc à amener... en voyage, c'est plutôt pratique. Également, si vous avez une petite panne de couture à la maison, oui, donc vous voyez ce petit portefeuille qui représente donc un plan de Paris qui est super joli. On l'ouvre comme un portefeuille et dedans, vous avez tout un kit voilà, à couture. Alors, des fois, vous les trouvez dans les hôtels, mais si vous partez dans un gîte ou autre que vous n'avez pas, vous pouvez retrouver vos fils, vos petits boutons, des épingles à nourrice, les aiguilles, un petit mètre, voilà, pour tout emmener et de façon plutôt jolie en plus, hein, ça gâche rien. Voilà pour ça. On va également avoir des kits à manucure pour ne pas oublier de faire sa manucure partout. Donc ça, c'est plus masculin. Ça va être le kit à manucure gentleman avec les petits ciseaux, le coupe-ongles, la pince à épiler, la petite lime et le repousse cuticule. Donc ça, c'est plutôt bien si monsieur l'amène. Madame peut l'utiliser également, n'est-ce pas Anthony? C'est plutôt pratique. Hein. Je demande confirmation, mais j'en étais sûre de toute façon. Mais là encore, donc ça, à ne pas amener dans l'avion, à bien mettre dans la valise. Parce que si vous l'amenez dans l'avion, il va finir dans le bac, vous savez, transparent. On voit plein de belles choses, de belles richesses. Donc dans la valise. Et si vous avez peur de vous, par exemple, parce que c'est vrai que si on veut l'amener dans la valise, c'est plus quand on, vous savez, on se casse un ongle. Là, vous avez les petites limes. Donc on ouvre Paris Fashion et c'est des mini limes. Donc ça, vous pouvez le garder dans votre sac. Ça vous permet de faire l'impasse sur le gros kit à manucure qui est dans la valise et de garder ça dans votre sac. Très bien. Voilà pour ça. Et également, pardon, j'ai oublié de le présenter en féminin pour le kit à manucure. On va avoir la petite sandale. Voilà, donc ça c'est très girly, c'est bien, donc un plus petit budget également, mais c'est mignon, c'est joli. Ouais. Voilà, et enfin, en dernier petit kit à mettre dans la valise, ça va être pour tous ceux qui ont des lunettes ou des lentilles, je ne sais pas si vous en faites partie ou pas, mais vous allez avoir dedans, donc on est souvent bien équipé, mais là c'est très coloré, très joli, vous pouvez mettre donc vos lentilles, le petit liquide à lentilles, et pouvoir le trouver facilement dans la valise. Voilà, une fois que vous avez tous vos kits dans la valise, on va parler, on va dire, des vêtements, des chaussures, etc. On va proposer ces choses-là. Qui va être vous savez, les sachets pour mettre les chaussures. Qu'est-ce que vous faites habituellement quand vous partez en vacances? Vous mettez vos chaussures dans quoi? Dans des plastiques? Oui. Au final, c'est moche. Non, c'est moche. Voilà, on les utilise toujours à la fin pour mettre le linge sale. Donc ça, plus pratique que le sac plastique des chaussures pour mettre le linge sale. On va avoir le petit sac à linge sale. Enfin, j'ai du mal à le dire, linge. Hein. Voilà. Et vous allez avoir à l'intérieur de celui-ci, c'est une map monde, et vous aurez donc votre petit sac. Voilà, pour mettre votre linge sale. Voilà, donc ça vous le mettez dans votre sac et on peut les avoir déclinés après en plusieurs modèles. On va les avoir en
en 4 exemplaires. Et là, vous pourrez mettre les chaussures, les affaires personnelles et le linge sale également. Donc ça, c'est plutôt super pratique. Quand on a mis tous les vêtements, les chaussures, le linge sale, etc., il vous faut les affaires de toilette. D'accord. Et là, pour ça, j'ai l'accessoire indispensable, qui est le secret du chef. Donc, c'est une trousse de toilette pour messieurs, mais madame peut l'utiliser également, qu'on ouvre comme ceci. Et là, vous pouvez l'accrocher à votre porte. Donc, quand vous l'ouvrez dedans, vous avez tout. Vous pouvez avoir donc votre brosse à dents, votre rasoir, des mouchoirs. Vous l'accrochez à la porte de la salle de bain dans la chambre d'hôtel. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à refermer. Vous êtes sûr de rien oublier. Voilà. Très donc, ça, bien. C'est plutôt pratique. Et ça c'est très intéressant. Voilà. Et enfin, quand on a fait une valise hyper bien, qu'on est hyper détendu, il faut savourer ses vacances. Et pour ça, je vous ai proposé donc ce petit carnet de voyage qui est très sympa. Vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez les destinations, le temps qu'il fait, vous pouvez décrire ce que vous avez fait. Si vous avez la chance de faire un road trip que vous faites dans plusieurs... vous avez un circuit, vous pouvez mettre à chaque fois la ville où vous êtes allé et vous marquez après le descriptif à l'intérieur, vous le gardez et vous le remportez l'année suivante et ainsi de suite. Et après, il n'y a plus qu'à savourer. Dites donc. Voilà, mais bon. Alors, il en faut être hyper organisé parce que normalement les vacances, faut que j'oublie tout quoi. Donc voilà, il faut que je sois bien prête. Bien prête. Merci voilà. Charline. Merci à vous. Vous revenez la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Très bien. Et tout de suite, eh bien, place à Asso 42. Nous allons découvrir enfin nos invités et le Choc Théâtre. Découvrez une sélection d'objets tendance, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. Cadeaumaestro.com